Salut les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va nickel. Aujourd'hui, je vous parle des projets de la chaîne. Allez, let's go! Comme vous pouvez le voir, les amis, on est dehors. Je me suis dit, pourquoi pas parler dehors, c'est mieux que derrière un fond vert. Franchement, et ça change un peu, et au moins, vous pouvez découvrir quelques décors du nord. Voilà. Donc, les amis, avant, je faisais ce genre de vidéo, mais j'ai dû arrêter parce que, bon, c'était compliqué à faire, parce qu'avec les gens qu'il y a dehors et tout, c'était compliqué à faire. Il fallait trouver l'endroit où qu'on les calme et qu'il n'y a personne à l'horizon, parce que malheureusement, on n'a pas le droit de mettre de gens sur YouTube sans autorisation, malheureusement. Donc, j'ai trouvé un super endroit. Franchement, elle est plutôt chouette. Bon, c'est un espèce de parc, hein, les amis. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un espèce de parc. Enfin bref, on n'est pas là pour visiter le parc. Donc, les amis, je tenais, avant de lancer les projets cadeaux, comme j'ai marqué dans le titre, annonce de cadeaux, avant de vous annoncer les cadeaux qui vont arriver sur la chaîne, je tenais aussi à vous annoncer des projets qui vont arriver sur la chaîne aussi, les amis. Mais les projets, attendez-vous à des projets janvier, d'accord? Donc, ça sera, il y en aura un petit peu là, comme je dis, il y aura un peu là, fin décembre. Tous les trucs que je vais dire là, ça se passera dans le courant de l'année. Donc, le premier projet, les amis, de vidéo, j'ai envie de changer les formats vidéo, les amis, d'accord? Il y aura toujours des vidéos gaming, etc., etc., c'est-à-dire Fortnite, Fall Guys, etc., etc. Mais il y aura d'autres vidéos. J'avais envie de changer, parce que c'est bien de faire gaming, tout ça, mais de temps en temps, il faut se renouveler, les amis. C'est important de se renouveler. Du coup, peut-être une fois par mois, les amis, je ferai une vidéo qui s'appellera « À la découverte des endroits insolites ». Voilà. J'essaierai de faire une ou deux vidéos par mois quand je pourrai, d'accord? Et on visitera ensemble des endroits insolites. Donc, j'avais envie de vous faire découvrir ça. Voilà, ça, c'est le premier projet qui va arriver courant de l'année. Passons au deuxième projet. Le deuxième projet, les amis, c'est toujours en forme de vidéo. Oui, j'ai envie de, cette année, les amis, 2023, j'ai envie de faire des projets vidéo. C'est très important, les amis. Parce que c'est bien faire des lives, mais des vidéos, c'est bien aussi. Donc, le deuxième projet vidéo, ça va s'appeler « À la découverte des objets insolites ». Oui, pareil, une ou à deux fois par mois, je vous ferai en vidéo des objets insolites. Ça peut être des objets intéressants, utiles, drôles, ou ça peut être aussi des objets étranges. Voilà. Donc, ça arrivera aussi courant l'année prochaine. Le troisième projet, les amis, que toujours en vidéo, je sais que je mets l'accent sur la vidéo, mais comme je l'ai dit, cette année 2023 sera l'absence de vidéo. Donc, le troisième projet, les amis, c'est... c'est pas tout à fait un projet, j'avais déjà fait l'expérience. C'est à la découverte de jeux, les amis, en vidéo. Je sais que vous avez bien aimé, c'est-à-dire ça s'appellera le journal des jeux indés. Pareil, une fois par mois à peu près, j'essaierai de faire le journal des jeux indés, c'est-à-dire à la découverte des jeux que vous n'avez pas l'habitude de jouer et que ça peut être intéressant en disant « Oh, ça a l'air bien, ça a l'air pas mal le jeu-là, ben, je vais l'essayer ». Donc, c'est important aussi de voir d'autres horizons que Fortnite et Fall Guys. Voilà, c'est très important, les amis, parce que dans la vie, il n'y a pas que Fortnite ni Fall Guys, d'accord? Allez, on va passer à l'opération cadeau. Donc, l'opération cadeau, les amis, commence le samedi 10 décembre. Donc, le premier truc qui va arriver, les amis, ça va arriver des tournois. Oui, les fameux tournois que vous connaissez tous maintenant, parce que j'en fais assez souvent. Donc, comment ça va se passer, les amis? Il y aura 4500 V-Bucks à gagner. Je dis bien 4500 V-Bucks à gagner, plus le pass de combat, les amis. Je m'explique, les amis. C'est notre ami Skyfrog, pour ceux qui connaissent, c'est notre ami Skyfrog qui a offert à la communauté, c'est-à-dire la mienne, 4500 V-Bucks plus le pass de combat. Donc, ça sera lui qui offrira ce joli cadeau pour la communauté. On peut, franchement, on peut très, le remercier. N'hésitez pas à le remercier en commentaire. Donc, comment ça va se passer, les amis? Le premier tournoi, les amis, ça, il y aura 1000 V-Bucks à gagner et ça sera sans construction. Le deuxième tournoi, il y aura 1500 V-Bucks, toujours sans construction. Le troisième tournoi, ça sera avec construction et il y aura 2000 V-Bucks à gagner. Et le quatrième tournoi, toujours avec construction, les amis, ça ne sera pas des V-Bucks à gagner, les amis, cette fois-ci, ça sera le pass de combat à gagner. Comment ça va se passer, les amis, pour offrir ces trucs? Ce sera notre ami Skyfrog qui vous demandera en ami. Et moi aussi, je vous demanderai en ami aussi, d'accord? Mais ça sera lui, personnellement, qui vous offrira les cadeaux que j'ai dit. Allez, on passe au deuxième projet cadeau.
Donc, le deuxième projet cadeau, les amis, ça se passera sur Discord. Je m'explique. L'année dernière, j'avais lancé opération setup de Noël. C'est-à-dire, il fallait décorer vos setups. J'appelle le setup PC, console, etc. etc. Et la plus belle décoration gagnait la carte cadeau d'une valeur de 10 euros. C'était notre ami Zeros qui avait gagné ce concours. Donc, aujourd'hui, je relance un autre concours. Mais c'est pas setup de Noël. Ça s'appelle opération sapin de Noël. Il suffira de prendre en vidéo ou en photo votre sapin de Noël avec la décoration et de le mettre dans le salon événement de sapin. Ça s'appelle événement sapin. D'accord ? Regardez, je vais vous le montrer où qu'il faudra le mettre. Donc, une fois qu'on est sur le Discord, les amis, vous voyez le salon général. Et ben, le event sapin, il se trouve juste en dessous le sondage. C'est là qu'il faut mettre votre décoration de Noël, c'est-à-dire soit une photo ou soit une vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, une fois mis dans le Discord, les amis, il y aura un grand tirage au sort, d'accord, pour celui-là qui aura gagné. C'est-à-dire, je mettrai tous les sapins de Noël en vidéo et ça sera à vous de voter, tout simplement, comme l'année dernière que j'avais fait. Et le gagnant remportera une carte cadeau d'une valeur encore, je ne sais pas encore. Honnêtement, je ne sais pas encore, mais ça sera une carte cadeau, les amis. Ça soit une carte PSN, Google ou Xbox ou Nintendo, enfin, peu importe. Mais je ne sais pas encore de combien. Je verrai combien que j'offrirai, d'accord. Mais ça sera une carte cadeau, d'accord. Vous avez jusqu'au mois de janvier pour le faire. Enfin, je vais pas vous dire d'avance, mais les résultats seront connus en mois de janvier, d'accord. Voilà, donc ça sera le deuxième projet. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert dès aujourd'hui, les amis. Vous pouvez y aller, prendre en photo votre sapin et le mettre dans le Discord. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça c'est le deuxième projet. Allez, passons au troisième projet cadeau. Donc le troisième projet, les amis, il est un peu spécial. Ça se passera pendant les vacances de Noël. Je peux pas encore trop en dire, les amis, mais ça sera un projet énorme qui se passera pendant les grandes les vacances de Noël, les amis. Pour l'instant, à l'heure que je tourne cette vidéo, les amis, je ne peux pas vous en dire plus. Je suis désolé, je sais que vous aurez aimé d'en savoir plus. Mais franchement, restez à l'affût parce que les grandes les vacances de Noël, franchement, vous allez vous en souvenir. Je vous le dis, vous allez vous en souvenir. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop en dire pour le moment. Je le dis un petit peu encore là, j'en parle, mais même en parlant, j'aurais même pas le droit d'en dire, d'accord. Mais sachez que ça sera des grands cadeaux à gagner durant les vacances de Noël. Mais pour l'instant, je ne peux pas rien dire parce qu'on ne sait jamais, il peut se passer beaucoup de choses qui arrivent jusqu'à les vacances. On ne sait jamais, ça peut soit annuler, soit retarder ou un autre jour. Enfin, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'en parle, mais entre guillemets. Donc voilà qu'est-ce que je pouvais dire, les amis, pour les projets qui vont arriver sur la chaîne. Franchement, il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Et encore, j'ai pas tout dit vraiment, mais il y a d'autres projets aussi qui sont en cours de validation, comme on dit. C'est pour ça que j'avais besoin de vous parler aussi, les amis. Donc les amis, j'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo en plein air. Franchement, moi j'ai kiffé à la faire. Ça change un peu, comme je dis, ça change un peu de chez moi, du même décor. Je me suis dit, pourquoi pas sortir comme ça, on change de décor. Donc nous, on se retrouve, les amis, pour une prochaine vidéo ou un prochain live ou des shorts YouTube, les amis. Oui, des shorts YouTube. Ça, je kiffe en faire, les amis. Et je sais que vous kiffez de les regarder en train de faire le con. Parce que moi, les shorts, je les prends pas au sérieux, les amis, d'accord. Voilà, je fais le con et je me détends. Ça me sert de me détendre un petit peu et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Allez, je vous laisse là-dessus. Nous, on se retrouve très, très vite, les amis. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Ciao, à bientôt.